tu aimes et qu'est-ce que tu aimes pas? Alors déjà, qu'est-ce que j'aime? Moi j'ai beaucoup de liberté. Après, c'est aussi parce que j'ai de la chance. Mon chef, il est très cool. Lui, il considère en fait que c'est pas notre chef, il considère que nous, on travaille pour nous-mêmes. Donc on a des horaires libres, même parfois si on vient pas un jour parce que je sais pas, on est malade, c'est pas qu'il s'en fiche, mais on n'a pas besoin non plus de lui envoyer un certificat médical et ouais, tout, etc. Excusez-moi, je suis blablabla, blablabla. Bla, non. J'envoie SMS à ma directrice, je dis ah, je suis malade, elle me fait ok, on se voit demain. Donc, c'est vrai que c'est, je stresse pas par rapport à ça. Moi, je suis toute seule sur mon projet de thèse. Et c'est moi qui l'ai écrit aussi. Donc, je fais tout dessus. Si je dois faire une technique que je connais pas, je vais l'apprendre et ensuite la faire pour mon projet, plutôt que de demander à quelqu'un d'autre de le faire pour moi. Donc ça, moi, du coup, ça fait que c'est beaucoup, beaucoup plus long. Mais t'apprends beaucoup. Voilà, mais j'apprends toutes les techniques et c'est plus intéressant. Je sais exactement tout sur mon sujet de thèse, quoi. J'ai pas besoin de demander à quelqu'un qu'est-ce que t'as fait déjà. Ouais. Je sais. Après, au niveau Lorraine, à la fin, c'est facile. C'est ça, tu vois. Ouais. Du coup, je me dis, quand je vais passer mon oral de thèse, les questions qu'ils vont me poser, je vais forcément savoir la réponse. Ouais. Ou alors, c'est une question théorique sur, je sais pas, les publications. Et là, bon, je le sais pas et je le dis. Quoi. Ouais. Et après, sur mon propre sujet, je sais tout. Maîtrisé. Voilà. Donc, c'est bien. Ouais. On a une équipe qui est super sympa. On a déménagé du coup à l'hôpital Cochin. On a quelques problèmes, mais bon, après ça va. Il y a plein de. Il y a beaucoup de microscopes, il y a beaucoup de matériel là-bas. C'est très joli aussi. Je suis déjà allée. On peut voir en dernière vidéo, c'est vrai. En tour. Ouais. Ouais. Maintenant, c'est des choses négatives. Bon, ce qui est moins bien. Du coup, là, au nouvel endroit où on est, ils sont très, 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 très stricts sur toutes les régulations, sur toutes les normes. Bah oui, ce qui est dans la recherche quand même. C'est normal parce qu'on utilise des cellules cancéreuses, mais du coup, ça freine beaucoup, beaucoup ce qu'on fait. Là, par exemple, ça fait depuis 2 mois et demi qu'on a déménagé et j'ai presque rien fait en fait au final. Donc, c'est un peu. Ouais, mais non. Après, ça. Bon, après, du coup, c'est pas juste. Moi, c'est plus mon chef, ça, mais c'est que la recherche, c'est très. Les grand proposals, il faut toujours être en train de chercher de l'argent, etc. Du coup, on passe beaucoup de temps à faire des choses comme ça. Bon, moi, pas trop, mais par exemple, j'ai une bourse d'une association, il faut que j'écrive des rapports, ça me prend du temps, c'est normal, mais du coup, voilà, ça prend du temps. C'est des choses que tu aimes moins dans ce travail. Ouais. Après, je vais faire une quatrième année de thèse, donc il faut que je cherche un financement, donc je suis en train de faire mon dossier, c'est long aussi, voilà, c'est que des choses qui... Oui, mais c'est l'expérience, c'est de gérer tout, voilà, c'est l'argent ça. Aussi c'est un côté à gérer dans un projet. Oui. Après, quand tu passes dans notre monde, tu peux facilement gérer des projets. Donc l'un des avantages du thèse, c'est que si les gens ne veulent pas continuer dans la recherche académique, et je crois qu'il y en a beaucoup d'ailleurs qui ne continuent pas, il me semble que c'est 2/3 qui ne continuent pas dans la recherche académique, on a des skills qui sont très transversales, voilà, donc on fait de la recherche, mais on gère notre projet, donc on gère le temps, mais aussi l'argent. Voilà, on fait des réunions. Ouais, on fait des réunions. Donc, voilà. Bon, il faut qu'on communique entre nous, avec les gens de l'équipe. Donc, présenter le projet, convaincre les gens de croire en toi. C'est difficile. C'est ça. Donc, on fait beaucoup de choses au final. On fait pas que de la recherche. Ouais. Comment tu peux gérer la thèse? C'est stressant, il y a beaucoup de choses à faire et aussi comme tu dis, il faut gérer le temps, il faut avoir la vie à côté aussi. Donc comment tu peux gérer côté travail, vie sociale, vie privée,
voilà. Jeux vidéo. Jeux vidéo. Alors, bah déjà moi quand j'ai fait mon stage de master, là où je fais ma thèse, quand j'étais en stage de master, je maîtrisais pas du tout ça. Tu savais pas? Mais, bon, tu t'en souviens pas, mais genre je finissais à 19h-20h, je rentrais super tard chez moi. Pas cool ça. Non. Parce qu'il y a beaucoup de... Il y a beaucoup cette mindset dans la recherche que comme c'est un métier de passion, tu vois, c'est censé faire tout le temps ça, tu vois, à la limite tu dors pas, tu fais ça 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Mais en réalité, c'est pas vrai, de toute façon, même si c'est notre passion, si tu fais ça 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, tu vas pas aimer. Hein. Ouais, c'est comme si, je sais pas, t'es passionné par le ski. Si tu fais du ski 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, au bout d'un moment tu vas plus aimer le ski. Ouais, c'est ça. Mais c'est la même chose avec la recherche, donc il faut vraiment bien balancer tout ça. Donc moi je mets des heures de travail strictes que j'essaie quand même de respecter, même si bon, souvent je travaille un petit peu plus au final. Okay. Donc, ça dépend aussi s'il faut que tu finisses ces manifs là tout de suite. C'est ça, ouais. Il faut, sinon après tu perds du temps après, ça c'est différent. C'est ça, puis bon, après du coup moi par exemple je travaille sur les cellules humaines, il y a que, je peux pas tout faire en une journée parce qu'il faut que j'attende à chaque fois que mes cellules poussent, donc au final je suis aussi un peu forcée à rentrer chez moi parce qu'au bout d'un moment il y a juste plus rien à faire, mes cellules il faut qu'elles poussent, donc je vais pas juste rester en face les regarder pousser. Donc je me mets des heures strictes de travail, j'ai la chance que mon chef il ne me pousse pas à travailler plus, même du coup là à l'hôpital Cochin il nous faut une autorisation pour venir le week-end et les jours fériés. Ah. Et ma directrice de thèse elle ne veut pas me donner. c'est bien de ne pas te donner. Oui, ouais, quand même, j'ai de la chance sur ça. J'ai travaillé le week-end quand j'avais au master. Je suis au master. Non, j'étais au master. S'il est là, il était là, c'est ça mon choc. Non, il n'était pas là. Illégal. Mais il y a d'autres chercheurs de haut niveau qui sont là. Normalement, c'est ton chef sera là quand t'es en master. Mais en tout cas, du coup après je rentre chez moi. Aussi je fais bien attention à bien manger, c'est important. Je cuisine le dimanche pour toute la semaine. Ouais, on cuisine bien. Et après j'essaye de prendre le temps de sortir quand même, quand au moins une fois par semaine. J'essaye. Bah ouais. On fait des courses. Non, pas les cours, genre aller voir, genre d'aller voir mes amis, de sortir faire un truc, tu vois. J'essaye de me pousser un peu à faire ça. Même si t'es fatiguée. Ouais, bon après si je suis vraiment trop fatiguée, voilà, mais j'essaye de pousser. Après je sais pas, mais pendant la semaine tu travailles, par exemple, pendant la semaine tu travailles, je suis fatiguée, mais le week-end, avant de sortir, je suis fatiguée. Mais une fois que je sors et je vois des amis, t'es plus fatiguée. C'est difficile de se motiver pour sortir. Ouais, c'est ça. C'est juste un pas franchi et après... Faut genre se faire « Oh, j'ai pas envie de sortir !» Et après, une fois que t'es dans le métro, c'est trop tard. Ça se fait sortir. C'est parti. Ouais. Ouais. Quoi d'autre? Que si je fais plein de trucs à côté, je suis dans une association... on va dans les lycées pour parler aux lycéens des études supérieures. Moi, je leur parle du coup comment faire de la science en particulier, etc. Je fais d'autres choses à côté. Je rencontre des gens, je rejoins l'association. J'ai commencé aussi à travailler à la Cité des sciences et de l'industrie à Paris. C'est le plus grand musée de sciences de Paris. Il faut visiter. Voilà. Donc, j'y vais. Je fais des ateliers avec des enfants, surtout. Collégiens, lycéens, c'est des enfants. Ouais, c'est des enfants, hein. Pour nous, c'est des enfants. Mais... voilà, puis donc, plus je rencontre d'autres personnes. À la sortie de la thèse, c'est quoi les possibilités? D'accord, pour tout le monde. Enfin, moi, personnellement, ça ne me plaît pas trop
tout le côté administratif, d'écrire des demandes de bourse, d'argent, etc. Faire les réunions, faire des mails, c'est pas trop mon truc, personnellement. Oui, mais tous les travails, il faut au moins une partie de ça. Je pense pas. Oui, il y a une partie de ça. Mais après, du coup, en tout cas en général, dans la recherche académique, quand tu continues en fin de carrière, tu fais beaucoup ça. Quoi. Pour devenir PI, ouais. Voilà, c'est ça. Donc, puis après, il faut aussi. Bon, peut-être je vais changer d'avis, mais c'est vrai qu'en tout cas, moi, je me sens pas trop de gérer toute une équipe, tu vois, de prendre comme ça plein de grosses décisions sur qui doit faire quoi, qui je vais embaucher comme stagiaire ou comme en thèse, etc. Quel projet ils vont faire, c'est. Mais tu fais bien dans le jeu vidéo là. Donc... ouais, je suis déjà trop dans le jeu vidéo, c'est pour ça. Du coup, ça me plaît quand même toujours, la recherche. Et j'ai envie de continuer d'en faire, en tout cas pour l'instant. Donc après la thèse, je voudrais faire un postdoc. J'aimerais bien aller un peu loin, parce que du coup j'aimerais découvrir des nouvelles techniques, des nouvelles personnes, des nouvelles équipes. Parce que bon là par exemple, la France et les pays autour, je commence un peu à connaître tout le monde, du moins dans mon domaine. À chaque fois je vais dans des conférences, je les connais tous, donc j'ai un peu envie de partir pour voir de nouvelles personnes, de nouveaux trucs quoi. Culture aussi, ouais. Culture. Oui, aussi pour découvrir de nouvelles cultures. Et puis, je pense que, en particulier dans des pays qui sont quand même assez différents culturellement, même au niveau de la recherche, ils doivent faire ça. Enfin, je pense qu'ils font pas ça pareil, tu vois. Bah, sûrement, par exemple, les Américains. Je sais pas, voilà. Voilà, c'est différent déjà hein, entre les Français qui font la recherche. Et les Américains qui font la recherche, c'est... Après, ça dépend aussi des labos que tu tends. Pour la quatrième année, donc je vais chercher pendant toute ma quatrième année. J'aimerais bien voir plusieurs coins du monde un peu. Et après, voir bah, si maintenant je me sens peut-être prête à faire à être chef, être PI, peut-être. Oui. Si je me sens toujours pas et après que je vais faire autre chose. T'as le privé, temps. Voilà, c'est... Dernier message pour les jeunes qui sont en train de se battre pour n'importe quoi dans les études. Dernier mot, c'est que souvent, quand on parle de thèse, les gens ils font « voilà ». Donc à chaque fois que je rencontre par exemple les amis de mes amis qui font pas de la biologie, je leur dis je fais une thèse en cancer, ils sont là « oula, oui d'accord ». Les gens ils disent « tu dois penser qu'on est bête et tout » alors que non, pas du tout. Mais vraiment, la plupart des gens peuvent en faire parce que c'est... Et même, je dirais même en particulier, même si on n'aime pas étudier, même si on n'aime pas apprendre des choses par cœur, moi, je déteste étudier. Je déteste ça. Ah, je crois pas. J'étais là. Et jusqu'à là, oui. Je déteste les études. Je déteste étudier. J'étais la pire étudiante possible. Oh non. Je révisais jamais. Ça, peut-être. Je révisais la nuit avant les examens. Je dormais une heure, j'avais mon examen et ensuite je revenais chez moi pour dormir. Donc voilà, je faisais beaucoup la fête, en particulier quand j'étais en licence. Bon, en master, j'étais un peu plus sérieuse quand même déjà, mais même en master, ouais. Je me souviens, j'allais pas en cours. Ah oui? Je venais soit le matin, soit l'après-midi, mais je restais jamais toute la journée. Master 1? En master 1, oui. Mais en master 2, on est... En master, parfois, pendant le cours master, on restait pas pendant les... C'est moi, je te... Ah oui? On a... Tu te rappelles pas qu'on a... Certains talks. On venait au TP et tout, oui. Oui. Mais tu sais, il y avait des gens qui venaient pour parler. Et on n'était pas tout le temps là. Ah oui? Je me souviens plus. Bref. Mais je suis studieuse, moi. Ça me casse ton image. Bon, il est long mon mot de la fin, mais tout ça pour dire, même si on est mauvais étudiant, même si on n'a pas étudié, même si on a l'impression d'être bête ou quoi que ce soit, la thèse, c'est travailler en fait, donc c'est manipuler, donc c'est pas pareil. En fait. Donc c'est possible de faire une thèse, même si on n'a pas les bonnes notes aussi. Je peux quand même. Bah, j'ai. Oui, enfin, je veux dire, il y a des exemples. 10, quoi. Faut au moins avoir 10. Bah, ça, c'est le minimum. Oui, mais voilà. Il faut avoir le minimum pour passer, pour valider. Après, il y a des gens qui disent qu'il faut avoir 15 ou 17 pour sur 20 pour pouvoir faire le.
La thèse, non. Il y a les gens qui 10, 11 qui peuvent faire la thèse. Donc voilà. Merci Mélissa. Merci.